faire, c'est que je vais grimper là pour le coup à... De toute façon, on peut monter à 2500 par ici, je crois. Oh, même plus, je crois qu'on est... Il me semble qu'on a passé la zone, là. Ouais, on a dû passer la zone, là, c'est... À un endroit, t'es cantonné à... je montais à 2500. Comme ça me permettra après de comparer avec ce que j'avais vu en réel. Donc, ce land class TEP, là, ouais. Emergence Project, il est beaucoup mieux que le land class de base P3D. D'accord. Donc, bon, toi, tu vas me dire que tu t'en fous puisque tu as ce qu'il te faut, mais en fait, à l'origine, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais acheté VFR Pilote pour faire des tests, pour voir les choses et pour en parler en connaissance de cause à des simmers, notamment qui débutent, par exemple, et qui n'auraient pas les moyens d'acheter la totale de France VFR. Oui, parce que c'est une bonne idée. Hein. Et donc, tout à fait, voilà, le concept équivalent, qui sont intéressés par le pilotage, évidemment. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir... Ah, d'ailleurs, je découvre un truc, là. Il y a même des petites plantations juste en dessous à gauche. Ah, c'est marrant. Et un château à droite. Ah ouais, non, mais quand je dis des plantations, c'est que c'est autre chose, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose. C'est des champs, des choses comme ça? Non, je sais pas, c'est bizarre. Mais sinon, c'est pas les mêmes arbres, ça fait plus plantation, mais je sais pas de quoi. D'accord. Je suis à combien? 2300, ok, on va s'arrêter bientôt. Et en même temps, il a une forme de continuité. Enfin, c'est même pas une forme, c'est qu'il a... Hop, là, 2340. C'est qu'il a une continuité sur de vastes étendues. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pas passer d'une zone de champ brutalement à je sais pas quoi, de la forêt qui ressemble à rien, tu vois. D'accord. Bon, le seul problème après, c'est que les forêts, les machins sont relativement, on va dire, vectoriels, tu vois. C'est découpé au cordeau en tout cas. Oui, j'ai vu sur tes vidéos effectivement, mais c'est bien, mais pour une première approche, je trouve que l'œuvre de VFR, elle est cohérente. Hein. Tu mets obstacle VFR. Et avec ça, et ça donne un truc qui est bien, hein, pour un début, c'est pas mal. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs, je regarderai peut-être que ça va me faire un truc en plus. Je ferai peut-être un truc en musique, tu sais, avec cette séquence-là, ouais. À un moment donné, en disant, tiens, ben voilà, VFR pilote improvisé. Ah bah ouais. Et je le mettrai en ligne. Parce que moi, je peux lancer une vidéo, comme ça on peut faire la comparaison, si tu veux. Bah ouais, vas-y. Allez, hop, c'est parti. Alt F9. Bah, moi, je l'ai lancé tout à l'heure, la vidéo, en fait. Tiens, on a Bayeux à droite, non? Voilà, t'as le CV de Bayeux qui est là. Alors, moi, je suis plein pot, j'essaie de te rattraper, mais bon. Oh, j'arrête tiens. Tranquillement. Ah ouais, bah, je vais faire une verticale Bayeux. Ah bah, tiens. Enfin, ce qui ressemble à... Alors, en fait, c'est amusant, dans le natif P3D, là, t'as l'espèce de boomerang que ça fait. Ouais. Mais t'as pas de terrain, t'as juste le boomerang, quoi. D'accord. Bah, c'est déjà ça. Bah, ouais. Donc, j'ai le module turbulence qui est activé. Alors, ça tabasse. Toi, de tabasser dans le coin. Ça veut dire qu'il y a pas mal de thermique. D'ailleurs, je sais plus quel jour je suis. Le module turbulence, le real turbe là? Le real turbe, ouais, c'est pas mal. Hein. D'accord, tu le recommandes celui-là? Il est. Encore avec que. En fait, il faut le coupler avec ASKY pour que ça soit très efficace. D'accord, c'est un paramétrage à faire. Il se débrouille tout seul en fait, a priori. C'est juste un petit fichier, une DLL que tu mets dans un répertoire, dans les documents. Et puis après, il se débrouille. C'est pas mal. Hein. D'accord. Notamment quand tu fais des planeurs, c'est marrant parce que tu retrouves. Alors c'est marrant, si tu vas sur la vidéo, t'es en dessous. Hein. Ouais. Tu verras que le pilote est bien en dessous. D'accord. Ah bah écoute. Donc là, t'es derrière moi, c'est ça? Juste. Ok, ouais, j'ai vu sur Little Lab Map que t'étais pas loin derrière, mais comme je peux pas me retourner, là en même temps j'en profite en faisant un 360, ça permet d'avoir une vue périphérique sur toute la. Bah tu verras en fait que les zones sont, mais c'est vraiment cohérent quoi, ça offre un vue d'ensemble, ce qui est absolument pas le cas sous le natif. Hein. C'est des enchaînements de trucs qui ressemblent à rien et qui s'enchaînent et qui s'emboîtent. Là tu. C'est d'accord, des champs à perte de vue, on va dire. D'ailleurs, non, je dis des conneries. Je crois que je réécoute à ce moment-là et là où on parle. Là, par exemple, on est vertical d'un truc ouais. Où t'as des plantations. C'est, tu vois que c'est la texture qui a été travaillée, quoi. Là, c'est Galardon. Galardon, d'accord. Ah non, là, c'est un truc qui a été travaillé. Ça peut pas être le hasard, ça. Il disait, c'est Aimé Leclerc, il s'appelle. Il disait qu'il avait mis 3 ans à faire ça, quand même. Ah oui, oui, j'ai le pack, j'ai son pack pour FS4, Flight Simulator 2004. D'accord.
Donc, non, non, c'est effectivement ça. Alors, ça offre donc effectivement, je dirais, les deux, hein, VFR pilote et ça, une forme de cohérence et de possibilité de faire du VFR. Alors maintenant, il faudra que je le fasse vraiment dans l'avion avec un vrai vol en restant à bord et tout ça, tu vois. Parce que là, je fais que de l'observation en mode drone pour avoir une vue vraiment d'ensemble, mais pour avoir un rendu de pilote, il faudrait vraiment que dans le cockpit, tant qu'à faire. Ouais, c'est... Mais disons que là, ouais, c'est beaucoup plus tentant, enfin, tentant et intéressant, en fait, de se dire que, ah, ben ouais, on peut faire quelque chose. Ouais, c'est surtout c'est une machine pas super puissante. C'est vrai que c'est une... Hop là. Voilà, en principe, non, je vais pas sur Chartres, là, je suis à combien? Si tu vas, en fin de compte, il faut... 260, ah si, je suis au 260. D'accord. Ah Il oui, faut c'est aller ça. au... Ah, il Un faut peu plus à pointer à gauche, je l'ouest. crois. Cherche un moment, tu pointes à l'ouest et tu dois y être. Parce que là, je vois une grande. Alors justement, tu vois, même si je suis en drone, je suis pas loin derrière l'avion. Je vois Ouais. une grande étendue de qui me semble être une ville. Ah bah attends, bouge pas, tu vois. Je vais essayer de deviner un petit peu. Si, parce que là, j'ai une grande étendue de ville là devant moi. Alors, si tu pointes... Bah là, je suis au 200, 220, 230. Tu pointes sur Chartres. Alors, fais attention, c'est une autre ville qui est assez grande, c'est Dreux. Ouais, non, non, mais Dreux, elle est sur ma droite. Non, non, Voilà, je regarde, là, donc. tu vois, je fais une comparaison, donc c'est bien un visuel sur Chartres que j'ai. Ouais. Et puis, il y avait de la forêt au nord, je me souviens, parce que je suis passé deux fois. D'accord. Effectivement, on voit ces forêts-là. Et d'ailleurs, si je vais à droite, il me semble que j'ai vu, oui, c'est ça, il y a une rivière. Je vais suivre la rivière et je vais tomber pile sur le... Enfin, plus ou moins pile sur le terrain. Non, pas sur le D'accord. terrain, mais vraiment une arrivée par le nord avec la voie ferrée et tout ça. Ok. Non, non, vraiment là... Autant j'avais une forme un peu dubitative de pouvoir faire du VFR pilote sur le P3D de Latif, parce que bah, en fait c'est pas sur le produit VFR pilote lui-même qui se pose le problème, c'est sur la lecture du terrain. Vu que ça ressemble à rien, c'est très difficile à analyser. Donc à moins de te focaliser uniquement, alors c'est toujours possible dans le sens où tu vas faire de la navigation comme en vrai, c'est-à-dire que tu vas prendre ta route à un point déterminé, point A pour aller vers un point B, tu prends ta route, tu tiens la route, tu tiens le cap. Tu fais ta montre, etc. Et puis tu vas voir par exemple l'arrivée, l'embranchement des autoroutes, etc. au bout d'un. Donc dans ce sens-là, oui, tu sais que tu peux avoir des pylônes, des machins, des trucs. Dans ce sens-là, effectivement, mais avec du natif, ça doit être jouable, puisque tu vois, c'est le but du land class, True Landscape. Mais ça reste difficile à supporter en visuel quand même quand tu fais ta simu. Alors que là, bah, tu as la même chose, bien sûr, mais avec un paysage beaucoup plus cohérent. C'est vrai que c'est pas c'est à Ah. tester. Et là, pour le coup, je suis resté en hiver, donc effectivement, les champs sont plutôt dans les bruns, tu vois, ocre. D'accord. Ouais, c'est. Ah bah écoute, ça serait intéressant de voir sur ta vidéo pour voir à quoi ça va ressembler. Bon, on va s'aligner tranquillement pour aller. Allez. Alors, moi, j'ai un vent du 300. Donc, à dire qu'il va falloir que je me mette sur la 29 là, 27. C'est la 27 maintenant, oui. C'est une main droite. Ouais, c'est ça. Bah, là, tu peux faire l'intégration Ah. directe. En fin de compte, il y a des espèces de petits garages là qui traînent. Là. Et D'accord, bah donc en voilà. fait 27. Alors là, je regarde sur Little Nav Map parce que le truc c'est que j'essaye de voir. Il y a Champfol. Ouais, c'est ça, c'est Chartres-Champfol, ouais. Ok, donc en fait je vais sur la ville et à ce moment-là je m'intègre parce que le hop là. Bah, t'as deux possibilités, soit tu t'intègres directement comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire que tu passes entre deux villages, t'as un point de passage, tu peux faire ça, soit sinon effectivement bah, tu attaques en main droite, et puis voilà quoi. Alors attends, allez, j'arrive, je suis pas tout à fait perpendiculaire. Je vois Bah, la comme ça. cathédrale. Alors le problème c'est que comme je peux pas tourner la tête à gauche, je vois pas du tout le. Si, puis en même temps, sur le land class, là, les zones de ville sont plus cohérentes puisqu'il a les champs par-dessus. D'accord. Hop, ça y est, je vois un morceau qui doit ressembler à un truc du. Non, c'est pas le terrain. Il est où le terrain? Alors, attends, allez,
Alors, si, ça doit. Il est où le terrain? Ah, si, ça y est, j'ai un visuel. Ok, bon, là j'arrive, je suis en mi-vente arrière. D'accord. Ok, charte Fox Sierra Lima, mi-vente arrière intégration pour un complet sur la 27 en main droite. Je suis à 1200 pieds, ça va à peu près là? Ouais, c'est bon, ouais, c'est ça, c'est 1000 pieds. Alors, moi par contre, je suis bloqué en plein milieu, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, 80 nœuds, c'est bon, j'y suis, un cran de volée. Hop, la pompe. 1000 pieds, bah dis donc, c'est pas haut. Non, non, non. Voilà, 1100 pieds. Bon, bah, je suis bloqué en plein milieu, je sais pas pourquoi. C'est bon. Pas grave, terrain engagé, Mike Bravo, ils sont fous, lui, il y va. La base, si je la fais au-dessus de l'autoroute, c'est bon? Ouais, tu vois une espèce d'embranchement. Oui, oui, c'est ça, oui, je le vois. Voilà, tu devrais. Alors, oui, après, bon. Bon. Ouais, si à un moment ça se sépare, voilà, c'est à cet endroit-là. Soit tu rentres dans la ville de Chartres. D'accord, je devine le bout du terrain là-bas. Je fais plutôt un U. Ah oui, d'accord, effectivement. Bon, je vais me poser sur la piste en herbe parce que l'autre, elle est bien engagée par les arbres. Ouais, c'est des planeurs à côté, t'as le droit. D'accord. De toute façon, vu que vous avez laissé pousser les arbres au milieu de la piste. Je suis à combien là? 50, 60 nœuds? Oula, peu bas quand même. Peu bas, mais je suis un peu haut. Vitesse un petit peu haut, enfin vu comme ça là, je te vois. Un petit peu haut, mais bon. Bon, la piste n'est pas très longue, elle fait 850 mètres. Hein. Ah oui, tu rigoles toi, 700 mètres à l'œil. Hein. Ah oui, c'est plus court, j'ai jamais posé les pieds encore à l'œil, je crois que. Alors, j'ai une non-piste devant moi. 70 nœuds, ça va, ça me plaît. Bah, t'es pas loin de moi, là, ouais. Puis, je vais être sur ta droite. Alors maintenant, on va essayer de faire l'arrondi. Ouais. Ah oui, t'es sur le. D'accord, ah bah là, t'es sur le taxiway en fin de compte. Ah, bon, bah ça va, c'est digne de moi alors. Ah si, je te. Ouais, si, ça y est, je t'ai vu. Tu vois. Ah bon, bah écoute, ça va. En plus de ça, un atterrissage à peu près bien.